Bienvenue dans Game Plaisir EX. Nous reprenons notre partie de TOTK. On avait fini notre deuxième temple hier, celui des Zora, et c'était pas ouf, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Je sais pas trop ce qu'on va faire là en réalité. J'ai un sanctuaire là à aller faire. Un sanctuaire ou deux d'ailleurs. Attends, il est où celui-là? Non, ça va être celui-là. Attends, je peux effacer. Ouais, c'est ça. Donc ici. Je crois que c'est un sanctuaire bénédiction de Didier Raoult. Donc là, on va aller faire ça. Il faut que j'aille checker s'il y a de nouvelles bananes aussi qui ont poussé. Ah merde. J'avais oublié qu'ici... En même temps, à l'intérieur du sanctuaire, ça doit pas être le cas. Mais on va quand même pas avoir trop froid, pas déconner non plus. Sanctuaire Maya Otaki. Diamant brut. C'est bon ça. Je crois que c'est ce qu'il faut d'ailleurs pour qu'il nous fasse la super lance Zora là, non? Mais il faudrait trouver une lance... On va trouver une lance Zora. Hop. Et bah ça fait un sanctuaire de plus. Les Hyrule Money, ouais, et Diamant Brut, c'est bien. Enfin, alors, j'en ai pas utilisé pour la revente pour le moment parce que... Je suis pas convaincu qu'on en ait pas besoin pour d'autres choses. Et du coup, là, je vois, tu vois, par exemple, qu'il y en a besoin chez les Zora. Donc, j'ai plutôt bien fait. Il faut que j'aille voir s'il y a des bananes. Petit tour ici. Faut que je me refasse de mieux attaque aussi. Parce que je les ai consommées. Mais ouais, les diamants, pour le moment, je les garde. D'ailleurs, toutes les pierres précieuses que j'ai trouvées, je les ai gardées. J'en ai utilisé aucune, parce que je sais pas si elles ne vont pas servir, en fait. Donc, Est-ce qu'on a des bananes qui sont revenues? Oui, je les vois. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Ah, j'ai pas d'arc. Ah, j'ai dû casser mon arc. Je m'en étais même pas rendu compte. Je vais peut-être aller en récupérer un à la con. Je sais pas ce que c'est ce truc là. Scarabée enduro. Ah merde, il laisse pas de cadavre? Ah oui, il explose carrément. Ah ouais, les scarabées, je me souvenais pas que t'es obligé de les... T'es obligé de les capturer en fait. Tac, j'ai oublié ça. Ah
je suis parti un peu bas là. Oh, ça va le faire. S'il pleut pas, ça le fait. Ça le fait. Alors attends, il y en a un. Truc à banane. Il y en a un vers le... Attends, je me souviens jamais. Il y en a un dans cette direction et il y en a un derrière. Ah, j'ai déjà oublié où il est. Il est là, non? Ouais, voilà, il y en a un là. Non. Attends, il me semble qu'il est pas loin. Ah, là. Ah, il est derrière, je veux rejoindre mon ami. Hop. Et il y en a un... derrière le relais. Voilà. Hop là. Ok, nickel. Ah, il pleut pas, on va faire nos recettes ici, comme ça, ça sera fait. Ok, bon, on n'a pas eu de chance. On a eu que des 4 minutes. De temps en temps, tu peux avoir un menu plus, et ça fait 9 minutes. Bonne journée à toi, Tapion, merci d'être passé à la prochaine. Donc ok, ça c'est bon. Il me faut... Attends, je sais qu'il me faut un truc, mais je ne me souviens plus. Pulseur. Ouais, peut-être que je fasse le plein de canons. Un petit peu de canons et de bombes. Je suis mort lamentablement ici, je me suis écrasé la gueule. Possible. Lance-flamme... Attends, c'est où? Canon et bombe, c'est celui-là. Ah, il y a un coffre que j'ai toujours pas pris ici. Qui doit pendouiller, j'imagine. Ça, ça sent le coffre dans le vide. Donc ensuite, faut que j'aille faire un tour aussi... Faut que j'aille prier. Alors attends, déjà je vais aller là. Et attends, le coffre. Attends, il y a une comète. Elle est tombée sur les... Non, elle est tombée en dessous. Elle est tombée en dessous. Ah, le coffre, il est là, ouais. Il faut un petit vaisseau pour aller chercher. Et ici... Voilà. C'est ça que je cherche. Un petit peu de gacha, évidemment. Que serait notre vie de joueur sans du gacha? On se le demande, hein, on se le demande vraiment. Pas de gacha. Alors, attends, je sais jamais où ils les mettent. Soit ils les mettent là. C'est juste que ça, c'est pas rangé correctement. Par type. Hop. En plus, t'es obligé de défiler tout le truc, tu peux pas faire dans l'autre sens. Alors, on a quelques bombes. Ouais, trois canons, trois bombes. Non, deux bombes. Hop. Je vais m'en remettre un petit coup. Ah.
façon, c'est pas mal. Ouais, il y a du canon, il y a de la bombe à retardement, c'est bien. Je vais peut-être me reprendre un peu. Hein. J'utiliserai des bombes à retardement là pour peut-être casser le mur qui me saoule. Celui qui résiste là au volcan, hein. Qui est hyper dur. Ok, donc ça nickel. Ensuite... J'ai jamais été là. Alors ça, ouais, pour y accéder... Ah, tout dépend de la hauteur. Il y a ça pour y accéder. Il y a encore des trucs... Ça, je crois que j'ai jamais été voir non plus. Alors là, il faudrait checker d'ici pour voir si tu peux te faire un vaisseau. Ça non plus, j'ai pas été voir. Et à mon avis, celui-là non plus, j'ai pas été le voir. Il y en a des trucs, hein. Et celle-là non plus, là. Et je me demande si celle-là, j'ai vu. Ah oui, là, il y a un Korogu, mais je peux pas y accéder. Parce qu'il manque un pouvoir. Et là, là, c'est pareil, je me demande... Je pense que là non plus, j'ai pas tout fait, en fait. Parce que là, j'ai dû croiser un golem, là. Mais à mon avis, le reste... a pas fait. Bon, attends. On va aller. On va aller au fort de guerre. Alors oui, je disais aussi que ça vaut le coup peut-être que j'aille faire un tour au village Piaf pour voir si j'ai pas oublié des... Il y a sans doute plein de quêtes que je n'ai pas prises. Ça vaudrait le coup d'ailleurs faire un petit tour. En plus, j'ai déjà la tenue pour... Commence à plus avoir de place sur le HUD pour mettre des cœurs là. Alors, je regardais, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'arc ici. Bon, c'est pas très grave. Après, j'ai pas besoin. Enfin, je sais où il y en a, mais presque pas. Allez, un petit cœur de plus. Hop là. Alors, on a dit d'aller voir au village Piaf. Village Piaf, c'est ici, je crois. Il y a des endroits, tu vois, que j'ai pas beaucoup visité, là. C'est bizarre que ça soit aussi vite, par exemple. Des endroits, j'ai pas été souvent. Ah ouais, puis c'est vrai qu'il y a la quête du relais aussi que j'ai pas terminé, parce que j'arrive pas à trouver le camp Gigas, là. Soi-disant dans la montagne, j'ai rien trouvé. Pas trouvé où ils étaient. Ah non, c'est peut-être pas par ici que je peux y aller. Non, ça m'étonnerait que... Ah si, ok. Est-ce que ça se trouve, j'ai pas été suffisamment voir, là. Non, là c'est... Ah, avant tout le poisson.
Alors, ce qu'il faut pour avoir le moral, c'est de bien remplir son bidou, je t'assure, c'est vraiment la vraie vérité. C'est pour ça que notre livre de recettes, c'est mon trésor à moi. Là, j'ai décidé de préparer une tourte au poisson à la perche enduro. Avec cette succulente recette, tout le monde au village va se sentir bien. Seulement, je nage comme un pied, et même s'il y a une mare au poisson à l'entrée du village, j'en ai pas attrapé. Au moins pour le reste, ça devrait aller. Un boisseau de blé, une motte de beurre, un cristal de sel, j'ai tout. Le seul ingrédient qui manque, c'est une perche enduro. Il faudrait que je réussisse à m'en... Est-ce que j'en ai une? J'en ai peut-être une, hein, avec un peu de chance, mais c'est pas dit. Ah bah, j'en ai une. Grosse quête, hein, c'était vite fait ça. Donc ça, c'est pour apprendre une recette, je pense. Le chutney aux fruits blizzard qui augmente votre attaque lorsqu'il fait froid. Niveau 1. Pas dingue. Après, c'est pas un plat particulièrement nourrissant, mais c'est toujours pratique pour les gens qui voyagent comme toi. S'il te plaît, si ça te plaît et que tu veux en préparer un toi-même, c'est très simple du moment que tu as des fruits de gel. Je vais bien faire de... Moi, j'aime bien faire de la cuisine parce qu'après, tout le monde a l'air heureux au village. Ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Là, y a rien. En même temps, je suis là. En même temps, je dis y a rien, mais je suis là en pleine nuit. Hein. Là-bas, c'est l'auberge. Ah. Où est-ce que j'ai bien pu trouver cette grotte? Tiens, mais t'es le type qui a sauvé le village de Babil avec Babil. En tout cas, on est bien content de pouvoir voler à nouveau sans risque de geler. En plus, la visibilité s'est aussi améliorée. Ça aide à repérer de nouvelles grottes où on peut trouver de la nourriture. D'ailleurs, j'en avais découvert une très intéressante, mais j'ai dû oublier où elle était exactement. Il y avait à l'intérieur un rocher brillant avec d'une lumière verte. Ah, c'est un sanctuaire, ça. Comme celui qui est sous l'épicerie. Ah là là, mais si seulement je pouvais me rappeler où était cette grotte que j'ai trouvée en cherchant cet oiseau blanc. Bah d'ailleurs, ça va, c'est propre. Hein. Des grosses indications. Regorgé de poissons et de champignons, c'est un endroit idéal pour y cueillir, recueillir plein de vivres. Je l'ai trouvé par hasard alors que je cherchais un oiseau blanc. Tu cherchais un oiseau blanc? Tu as déjà observé le sommet du pic rocheux qui se dresse par ici au village Piaf? Ah oui, carrément. Cette saillie sur le côté le fait ressembler à un perchoir. C'est pour cette raison que l'on appelle le perchoir de Médon, de Médo. Je m'y rends tous les matins pour prendre un bain de soleil. Et justement, ce matin-là, je profitais du soleil depuis le perchoir tandis que ce dernier montait dans le ciel. C'est à ce moment que j'ai regardé vers l'ouest et aperçu un oiseau blanc. Il était posé sur la longue ombre du perchoir. Qu'un oiseau se pose sur une ombre... C'est peu commun, ça m'a intrigué, alors j'ai voulu aller voir de plus près. Une fois sur place, je ne l'ai plus trouvé, mais j'ai découvert l'entrée d'une grotte. On aurait presque dit que cet oiseau blanc m'y allait guider. Et va savoir pourquoi il a fallu que j'oublie son emplacement. Elle a un trait distinctif, qu'est-ce qui pourrait bien la distinguer des autres grottes? Je l'ai trouvée un peu par hasard, son entrée n'avait rien de particulièrement remarquable. Elle était juste à côté d'un endroit, de l'endroit où se reposait l'oiseau blanc. Et au fond de cette grotte, on pouvait avoir un rocher qui brillait. Mais non, d'accord, elle dit la même chose, en fait. Ok. Là, est-ce qu'il y a des gens? Ah, lui, il a une quête, lui. Il a une tête de gens qui a une quête. Il est songeur devant... Chevalier, grâce à Babil et toi, le village est sauvé, merci infiniment. Quand nous nous sommes rencontrés au relais point de Tanbata, je n'aurais jamais imaginé que tu allais devenir le sauveur de ce village. Maintenant que la tempête de neige ne sévit plus, nous rassemblons peu à peu les vivres et les matériaux des alentours. Mes collègues travaillent ensemble pour acheminer les provisions jusqu'au village et moi je supervise les opérations. À ce propos, Ewong n'est toujours pas revenu. Il était chargé de ramener les vivres du relais des prairies gelées en Tanbata au nord-est. Il lui est peut-être arrivé quelque chose sur le chemin du retour au village. Je te demande pardon, j'étais perdu dans mes pensées. C'est que mon collègue n'est toujours pas revenu. Au fait, tu n'aurais pas des vivres dont tu voudrais te séparer? Maintenant que la tempête a cessé, nous refaisons petit à petit nos stocks.
Nous n'en avons pas encore assez. Alors, si tu as des vivres en échange, j'aimerais en trop, j'aimerais te les échanger contre d'autres marchandises. Par exemple, je pourrais te donner 10 flèches en échange de 3... Non, ça va aller. Non, ça m'intéresse pas, hein, ça m'intéresse pas. D'accord, donc si vous manquez de flèches, tu peux faire un échange. On l'a fait celui-là, Korogu, là. Je vois qu'il y a un Korogu juste devant. Attends, non, on l'a pas fait celui-là. Ouais, j'ai pas envie de sauter. Ah, j'ai pas Babil ici. Mais oui, je t'ai trouvé, petit Korogu. En même temps, on voyait que toi, là. Oh, mes flèches qui tombent. Est-ce que je peux plonger pour les ramasser? Ah bah si, tiens, Babil, ici, il est là, mais non. Un grotte avec un oiseau blanc. J'imagine qu'il faut que je me rende là-haut pour voir... attends, elle est où la tour, là, pour... Je vais essayer d'atterrir sur le haut pour voir si je vois l'oiseau blanc, on sait jamais. Enfin, sur le haut du village. Il est peut-être indiqué sur la map en même temps. Bon, là, le prochain cœur, je pense que ça va faire une nouvelle ligne, hein, parce que je vois pas où ils le foutent, là, hein, sur le HUD, hein, ça commence à être compliqué. Heureusement que tu as 992 flèches, ouais, tu risques d'en manquer, ouais, c'est vrai. Ah, on sait jamais, hein. Ok, j'ai été parti regarder, je ne sais plus. Non, je ne sais plus. Ah, attends, faut que je trouve le village Piaf déjà. Ah, ben il est là. Ah, c'est ça que j'étais parti voir. C'est journée d'aventure. Attends, merde, comment il les range là? Oh là, c'est un bordel là-dedans. Troc chez les Piaf, non? Non, ça c'est pour les vivres. Ah mais attends, c'est une quête, donc t'es censé le faire en fait. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris, je croyais que c'était un... Ok. Mais attends, ça a rien à voir. Et elle est où sa quête avec le... Bon, attends. Où est le bordel, là? J'avais pas compris que c'était une quête en fait. Je croyais que la quête, c'était pour le sanctuaire. J'avais pas compris que le ramener des trucs, ça, c'était une quête. On a dit vers l'ouest, non? Même temps, ouais, ça m'étonnerait pas que la grotte soit par là. Hein. Qu'est-ce que c'est, ça? Déjà, il y a un trou dans le truc qui est à côté de moi, là. Bon, attends. Je vais aller voir parce que là, il y a un caillou, c'est louche. Évidemment. Évidemment.
sans aucune surprise. En tout cas, j'aurais bien passé ma tête là-dedans, mais je sais pas si j'y ai déjà été. Non, ça serait marqué grotte si j'y avais déjà été. Alors attends, je vais faire un tour tant que je suis ici. Prendre une arme un peu too much. Il y a peut-être des ennemis là-dedans, hein, parce que je vois des ombres bizarres. Non, il n'y a pas d'ennemis. C'est bizarre la structure. Hein. Il n'y avait pas un mec à venir sauver là ? C'est bizarre ici. Hein. Il y a deux statues ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, faut réparer le toit et ça fait apparaître un Korogu. D'accord, j'ai compris. Alors, on en est au sud. Je sais plus si elle a dit à l'ouest. Là, je suis à l'est. C'est vrai que comme j'ai jamais été voir de ce côté, il est fort possible. Enfin, jamais. J'y ai peut-être été, mais c'est vrai que Kien... Ah bah, de toute façon, on va tout de suite le savoir. Ok, il y a l'arbre. Ah bah il y a un sanctuaire. C'est pas une grotte en dessous sous mes pieds là? Attends, déjà on va aller marquer l'arbre. Donc là l'arbre va nous indiquer toutes les grottes aux alentours. Ah mais je l'avais déjà marqué. D'accord, bon c'est pas la peine. Hein. Attends, j'ai vu une grotte. J'ai vu une grotte. Déjà il y a des choses louches là. Là, il y a un Korogu, non? Mais je l'ai peut-être déjà fait. Non, je l'ai pas fait. Ça, c'est toujours aussi bien, là. La pièce de Tetris en plein milieu. Dire qu'il y a des gens qui se plaignaient de Sonic Frontier, hein. Ils avaient oublié... Ils avaient complètement oublié Breath of the Wild, hein, avec ses pièces de Tetris. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis parti pour faire un Korogu Percent, là? C'était pas du tout... Alors, attends, merde, par contre, j'ai perdu ma grotte. Bordel. Elle est où? Avec mes conneries, là. Non, ça a pas l'air d'être là. C'était peut-être pas une grotte, hein. Est-ce que je peux grimper ça, là? Bon, sinon, au pire, je me retéperai. Je vais bien trouver un TP. Oh, ça doit grimper, ça. S'il pleut pas, ça grimpe. J'aurais pu mettre vitesse... Ah, attends, si je dois pouvoir mettre mon haut escalade. Pour grimper plus vite. Hop là. Alors, mais c'était pas une grotte hein, que j'ai vue, parce que... Le truc, c'est que des fois, t'as l'impression... Alors attends,
Sanctuaire. Non. Là. Cette direction. Go. J'ai cru que c'était Monsieur Pancarte, mais non, Monsieur Pancarte n'est pas là. Oh bah dis donc, lui, il me saute directement dans le sac à dos, hein. Zone d'exercice au vol, accès aux montagnes enneigées. On s'en branle, on s'en fout. Attends, c'est par où? Là? Ah bah, on s'en fout peut-être pas, alors. Après, j'ai pas d'indication, là. Si ça se trouve, je vais monter, il va me dire... Ah bah, en fait, c'est en bas. Qu'est-ce que c'est qui me court après, là? D'accord, c'est par là. Hein. Tirons chez Céleste, là-bas. Bon. Je me suis demandé ce que c'était quand j'ai vu les... Le bout de bois, là. Voilà. Voilà. Oh putain! Ils se sont fait... Y a Babil qui s'y est mis. Ah, vas-y, regarde-moi. Là. Putain, ça lui fait zéro dégâts, lui. Ah, il est plus résistant. Il est tout seul? Il m'a mis une petite mandale. J'ai pris une petite mandale au passage. Enfin, le truc a littéralement... Bon, je vais prendre un arc à la con. Le truc a littéralement explosé. Hein. Fruit grillé, j'ai pas pris en photo, donc du coup, j'imagine. C'est encore un fruit grillé, ça? C'est une baie, ça. Une baie gelée, non? Pas prendre en photo. Non, c'est une baie grillée, d'accord. Hop. Un bâton noueux, bon, il n'y a que de la merde. Ouais, c'est pas un camp très très fort, il doit pas avoir grand chose en... C'est pas si mal, hein, le grand maillet. Mais il m'intéresse pas vraiment. Bon, attends, par contre, ça nous dit pas... Ah, merci. Niveau inférieur, je le lis bien. Il y a un petit papillon glagla, là. Ah bah oui, si je me pète la gueule, tu parles, il va pas rester longtemps. Y'a pas une tenue avec des crampons? Y'a encore un Kourougou là, mais c'est pas possible avec Zifoot ici. Y'a que des Kourougous là, que des Kourougous Tetris, hein. C'est... je sais pas, là c'est la zone, hein. Ils les ont tous mis là du jeu. Attends, je sais même pas dans quel sens ça va, ça. Attends, déjà j'arrive à le tourner. Non, c'est dans l'autre sens. Ah. Allez, merci. Ça manque un peu d'huile, la pièce s'insérait pas très bien.
C'est Miara qui a dû s'occuper de la... du système de rotation. Bon, par contre, je vois pas où c'est, là. Parce qu'on descend, mais... Mais il doit bien avoir une grotte quelque part, mais ça se trouve, je suis pas du bon côté pour... pour aborder la grotte. Ah oui, attends. Merci. Ouais, c'est là. Hein. C'est là, mais à mon avis, on n'est pas du bon côté. Ouais, ça correspondrait peut-être à ce que j'ai vu. Il y a un truc ici, quoi. Je pense que l'entrée doit être par l'autre côté, en fait. Je vais descendre là à tout hasard, mais à mon avis... C'est profond ici, là, en fait. Bon, on voit pas grand-chose, hein. J'aurais mieux fait d'aller activer l'arbre... En réalité, ça fait chier pour rien. Il y a un coffre, en plein milieu, comme ça, je sais pas pourquoi. Ça pue le piège. Ça sent l'Igas qui va apparaître. Qui laisse des coffres comme ça en plein milieu? Deux fleurs bombes, d'accord, très bien, bah écoute, on prend. Hein. Un des meilleurs objets du jeu. Me dis pas que... Mais qu'est-ce qu'il fout là, sérieusement? Oh là 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 là, mais casse-toi, mais c'est pas possible, oh là là. Ah ouais, non mais c'est de pire en pire, je sais même pas où il se perd, je sais pas comment il fait pour atterrir là. Toi déjà tu galères pour venir et lui il est là, t'es. Cassez-vous. Ah, il y a du matos, attends. Eh, tu peux te faire... C'est... Il est où ton pote? Est-ce qu'il y a de quoi fabriquer là? Oh, attends, ça a l'air d'aller, hein. Honnêtement. Attends, honnêtement, fais voir. Je pense que lui, easy. Ah ouais, on peut le caler sous le radeau? Attends. Il dit rien? Enfin, il doit gueuler, non? Mais... Attends. Attends, je vais construire d'abord le radeau. Vas-y. Attends, par contre, toujours dans ces cas-là, faire une save avant. Bon, j'aurais dû la faire plus tôt, mais toujours. Alors... Je sais pas comment je vais équilibrer ça. Hein. Bon, c'est dans quel sens ça déjà? Je l'ai pas pris. Je vais galérer parce que je l'avais pas pris dans le bon sens. Si je mets deux trucs à l'arrière... Putain, j'ai foutu le poste de commande et un peu de travail. Bon, c'est pas très... C'est pas que c'est une quelconque incidence. Alors attends, ils sont dans quel sens eux? Ouais, nickel. Bon, c'est un peu bricolé. On va voir. Est-ce qu'il est waterproof? Attendez. Oh putain. Ouais, t'inquiète pas, tu vas le rejoindre. Ça va? Tu respires bien? Oh, il en a rien à foutre, hein. T'inquiète, tout va bien.
On va rejoindre ton ami, hein. Voilà. Voilà, voilà. Ah, j'ai encore oublié de mettre la tenue Zoubi, là. Froid insupportable. Ah oui, bah, c'est pour ça que j'avais pas mis la tenue. J'en ai. Attends, je vais changer. Hop là. Et voilà, nickel, regarde. Il veut toujours rejoindre son ami, hein. Après, il le vit bien, hein. Un truc, ça tangue un peu des fesses, hein, mais bon, ça va. Easy. On y est, t'inquiète. Ça se passe bien, pas trop froid? Tu me dis, hein, si tu respires pas. Hein. Tu me dis complètement. Attends, où c'est que je peux amérir, moi? Voilà, c'est arrivé. Extraordinaire. Regarde, tu vas le rejoindre, ton ami. Regarde ça. Hop. Nick. Merde, il est où, ton ami? Merde, j'ai foutu le truc dessus. Ah non, il est là. J'ai cru que j'avais foutu le radeau sur la gueule. Aucun Korogu n'a été maltraité. Pourquoi ma construction elle est tombée? Oh! On se fait attaquer! Dangereux ici! Bon alors attends, parce que ça nous aide pas. Hein. C'était pas du tout ce qu'on cherchait à faire. Attends, on va repartir d'ici. Ah merde, et l'autre il faut que je lui donne ces trois merdes là. Non, elle va nous casser les bonbons. Ah bah gros sanctuaire, hein. Sanctuaire, j'ai ramené que des Korogu, je le dis bien. En plus, je sais même pas, mais non, si j'ai augmenté le slot d'armes, combien c'est? C'était quoi la dernière fois? C'était 17. Ça doit être 22 maintenant, ou si c'est pas plus. Mince, j'ai pas monté après l'arme. Un pouvoir réglé au poil de fion. Alors attends, elle était où là? Non, je suis dépareillé, ça me dérange pour monter les escaliers. Je le vis pas bien. Un oiseau sur une ombre. En fait, c'est peut-être là qu'elle... Attends, elle regarde de quelle direction? Ouais, ça correspond, il y a le sanctuaire. Hein. Mais ça, en vrai, il faudrait trouver le sanctuaire et après, il doit nous indiquer où est la pierre. Hein. Bon, attends, elle est où l'autre avec ses vivres à la con, là? Elle... C'est quoi déjà qu'elle veut? Trois merdes? Attends, c'est quoi qu'elle veut? Des troglodus lumos. Qu'est-ce que c'est, les troglodus lumos? Ah, c'est des champignons lumos, je crois. Ouais, vas-y, prends-les, je m'en fous. De moi, t'es 10 flèches à la con, là. Ah, j'en avais vraiment besoin. Les trucs de la gars et des champignons. Ah bah non, c'était pas les champignons alors. Je sais pas ce que c'était. Attends, mais maintenant, elle te donne une nouvelle... Ah mais c'est que des flèches. Ah non mais casse-toi, d'accord, non c'est juste que tu fais une fois la quête, ok. Donc elle te... D'accord, c'est la fournisseuse de flèches. Si vous êtes en problème de flèches. Mais non mais j'y étais là, c'est bien celui où j'y étais, il y avait un Korogu, non? Ouais. Alors attends. Donc logiquement... Elle est où ma marque là? Par là. Non. Derrière, c'est ça? Ouais, par là. Est-ce que je la revois, ma grotte, là, où j'ai fumé?
Ouais, bah j'ai dû fumer, hein. Bon, on va aller à l'arbre, hein, ça va être plus simple. Pas se prendre la tête. En espérant juste qu'il pleut pas. Ok, merci pour le clip, aucun Kurogu n'a été maltraité. Cassez-vous, cassez-vous. Non mais cassez-vous aussi, hein. Voilà, cassez-vous, cassez-vous. Cassez-vous sur moi. Non mais casse-toi, voilà. Oh mais c'est pas possible de jamais se casser comme ça là. Mais ils sont combien? Oh. Bon, vous vous cassez. Merci. Il y en a encore un? Ah bon. Oh là, ces gens qui veulent pas se casser. Bon, attends, l'arbre. Mine de rien, c'était une bonne idée de le mettre dessous pour équilibrer. Ouais, je... Oui, oui, bah oui, oui, ça a équilibré avec le poids des ventilos. Hein. Alors... Ah, petite carotte. Je crois que j'ai pris en photo, ça. Quelque chose, là, c'était, il y a un tel bordel là. Quoi que j'ai foutu à côté. GG. Merci. Attends, y'a pas une grotte vers nous? C'est sérieux le jeu? Elles sont toutes là-bas? Ah bah ça doit être le point qui est là, hein. Je tire sur le renard. Renard, chenapan. Splush. attends. Qu'est-ce que c'est ça? Oh putain, je pense que ça va être encore le truc. Une horreur à prendre en photo. On a de la chance? On a de la chance. Petite Luciole, je suis sincère. Non, attends, c'est où là? Il est sûr là. C'est quoi là-bas? Truc en. Attends mais c'est où là? Bah putain! Je sais pas où c'est, mais c'est compliqué. Ah oui! Ah ouais, en effet, celle-là, pour la trouver au pif... En effet.
faut vraiment tomber dessus, hein, parce que... Ça n'a aucun sens. Elle est bien planquée, ça. Sans l'arbre à grotte, là, enfin, sans l'arbre magique... Je sais pas à quoi peut servir de faire tomber ça, là, visiblement à rien. Petit poisson, là. Hop, petit truc de glagla. Hop. Il y a pas un... Il n'y a pas un Satoru Iwata là ? On n'a jamais vu l'oiseau blanc. Hein. Entre parenthèses, on n'a jamais vu l'oiseau blanc. Surpris qu'il n'y ait pas de... On n'entend pas en même temps. Ça reste la position des grottes ? Non, c'est éphémère. Je sais pas combien de temps ça dure, par contre. Non, non, ça disparaît. C'est pas définitif. Mais je sais pas combien de temps c'est. Peut-être jusqu'à temps... une journée ? Je sais pas. Je pense que si tu vas dormir, ça disparaît, ouais. Donc en vrai, il faudrait... Pour optimiser, faut le faire, faut regarder où c'est, et après, faut marquer. C'est bizarre, hein, qu'il y ait pas de... Alors, ce qui est fort possible, c'est qu'il y ait... Qu'il y ait plusieurs cavités dans la grotte, en fait. C'est un peu chiant, parce que tu seras obligé... Non, là, y a rien. T'es obligé de t'infiltrer partout, si c'est le cas. Il est possible qu'il y ait une cavité, mais on n'entend rien, hein. Vraiment, on entend le petit pit-pit. Faut que j'active le sanctuaire. Non, je pourrais pas me téléporter. Ah, on entend. Tiens, d'ailleurs, il y a une question que je me pose. Ah oui. Tu peux prendre en photo et après radariser, non? Je me doutais que je l'avais jamais fait. Non. Un jour j'arriverai à sortir de l'appareil photo, étant donné que c'est pas le même bouton, c'est bien chiant. Mon arc est un peu overkill pour ça. J'aurais dû prendre le petit arc en bois. Ah oui, d'ailleurs, j'ai échangé... je suis tombé sur Coltin, j'ai été échangé, il m'a donné... la suite de l'arme, de truc, là, qui sert pas à grand-chose. La tunique des esprits, là. Qui, en fait, plutôt que de perdre de la vie, vous perdez de l'argent. Ok. Ça, c'est fait. Ah, mais si vous voulez faire grotte personne, ouais, il faut se motiver, quoi. Alors, l'effet levier. Aïe, 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 aïe. Pourquoi j'ai une demi-boule, là? Et non pas une demi-autre chose. Qu'est-ce que... Oh là là, oui, j'ai compris, oui. Oui, oui, j'ai compris. Il faut faire catapulte. Donc, attends, il faut mettre la boule là... J'imagine que... Attends, il y a un truc à ouvrir d'abord. C'est quoi, ça se déplace, ça? Ça sert, ça. Ah, faut coller le réceptacle. Merde, déjà j'ai collé la boule sans faire exprès. Faut coller le réceptacle.
Ah bah sauf que oui, alors coller réceptacle en vrai, j'ai le choix. Je vais le coller là. Ça je pose. Je colle pas. Là tu peux... Il y a une échelle. Pourquoi il y a une échelle? Ah il y a un fond là. D'accord, tu peux éventuellement tomber ici. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert. D'accord, la sortie est là-bas. Par contre, je me demande comment t'ouvres ça. Il y a un des trucs qui les ouvre. Alors attends, on va essayer. Ok, donc là, bon, ça va pas être fun parce que j'ai aucune idée d'où ça va partir. Bon, je vais essayer au plus haut. D'accord, trop fort. Donc moi, on va essayer de viser le premier déjà. Oh là, en plein centre! Incroyable, je devrais avoir deux planches pour avoir réussi ça. On va me donner directement le... Ah... Donc là, on rallonge la planche. Non. Je rallonge la planche par ce côté, on est d'accord, non? Parce que, en vrai, au maxi, je... Attends, parce que si... Si je mets une planche là, est-ce que ça a plus de force? Je suis pas convaincu, non? Moi, j'aurais mis une planche de ce côté, mais je suis pas certain. On va essayer. Voilà, trop fort. Trop fort. Un peu moins fort. Il me dit de le faire à moins fort, je le fais à moins fort. Attends, ça c'est le maxi. Et je me mets sur la ligne. Attends. Je me mets... Non, attends. Je suis pas passé. Là. Je me mets sur la ligne. Aligné ici. Boum. Oh là là, pff, la précision d'un homme. Précision d'un homme. Et maintenant, je me catapulte la gueule. Très bien. Bon, là, j'envoie la max. Est-ce que j'ai tout pris? Ah, il y a un autre coffre. J'ai pas trouvé de coffre. J'ai pas trouvé de coffre. Attends, je vais atterrir là, je dois pouvoir revenir. J'ai pas vu de coffre. Complètement pas vu de coffre. Pas vu le coffre. Il est là-bas, dac. Donc il faut réussir à aller là-haut. En sachant que là, j'ai pas Babil. Hein. Ça va me faire partir devant, ça. Je suis pas sûr de pouvoir contrôler. Avec un peu moins de force, peut-être. Ah, il faut quand même que je décolle. Hein. Le problème... Je suis où? Bah putain, du premier coup? Sans déconner. Je croyais que j'étais en dessous, hein. Je croyais pas où j'étais. Easy. Remède anti-froid, j'en avais plus. Enfin, je crois que j'en avais plus. Quand t'es bon, tu dois juste pouvoir te propulser, t'arrives sur la porte. Dans la porte. T'arrives là. T'arrives là et c'est gagné.
Allez, go. Et ben voilà, on finit sur un petit sanctuaire. Et du coup, on a complété la quête de trouver le sanctuaire, parce que ça, ça nous intéressait réellement. Ça, c'est vrai que c'est cool. Peut-être, il faudrait peut-être... Ah ouais, mais j'ai aucune idée comment trouver... Est-ce qu'il faudrait... Je me pose la question, est-ce que ça vaudrait le coup que je réinspecte... Ah tiens, il faudrait que j'aille casser ça aussi. Là. C'est pour ça que j'avais pris des détonateurs, à la base. C'était pour aller casser ça. Voir si j'arrive à casser avec des détonateurs. Parce qu'il n'a pas manqué beaucoup pour récupérer le cristal. Oui, la question que je me posais, c'est que peut-être la lance Zora, je l'ai ratée parce qu'elle était sur le passage pour aller au temple. Mais comme moi, j'ai tout skippé, mais que maintenant, je peux revenir en arrière. Je peux repartir du temple et descendre dans l'autre sens, ce qui est beaucoup plus simple. Ça vaudrait peut-être le coup de checker s'ils ont pas foutu une lance Zora dans le coin. Pour faire la super lance là, qui a l'air marrante. Ah, je suis sûr que la lance qui te donne là, tu mets un bout de ninelle dessus, t'as un truc qui doit bien démonter à mon avis. Je pense. Hein. On verra ça cet après-midi. Je vais me mettre là pour me souvenir que c'est ça que je veux faire. Et on se retrouvera à partir de 16h. Parce que mercredi je finis un petit peu plus tôt. Ça m'arrange. Et ouais, on a trouvé quelques Kurogu. Bon, c'était pas une petite quête comme ça faite. Un Kurogu, sanctuaire. Bon, rien de... Par contre, j'ai tout recassé, on est d'accord, vu que je me suis barré. Hein. Ce qui était une connerie, d'ailleurs. J'imagine que j'ai tout... Je vois même plus où c'est. Ça doit être de l'autre côté. Non, ça doit être là. J'ai bossé, mais on regardera ça. On regardera ça. Ah, il y a notre pote qui est là. J'ai pas d'arme, non, je vais lui foutre la paix, là. Par contre, oui, il faudra juste que je passe pas à côté de lui. Je vais éventuellement... Je vais révoquer. Parce que ça serait chiant qu'il me le tue, là. Je suis pas sûr qu'il va me servir, mais bon, dans le principe... Voilà. J'ai pas envie qu'il me le désingue, parce qu'en fait, il le one-shot, là, les sages, hein, s'il tire dessus. Donc c'est quand même... Ah, super intéressant. Faut que je me change, d'ailleurs, aussi. Je suis en train de voir... Ça me pète un peu trop. Je vais prendre vraiment un arc de merde. Parce que là, je vais avoir un peu chaud avec ça. On va prendre ça. Hop. Nickel. Merci d'avoir suivi ce stream. Je vous souhaite bon appétit. On se retrouve à partir de 16h pour continuer ce TOTK. Ciao, bye bye et gaming. Bon app à toutes vers 16h.